Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente la Beer's Bolt du mois de mars. C'est une Beer's Bolt que j'ai reçue aujourd'hui, donc le 2 mars, donc c'est... Ça allait vraiment très rapide ce mois-ci. Alors, ce que j'ai de suite aimé quand j'ai ouvert ma box, c'était qu'elle était en forme de tiroir. Ta-da! Et ça, c'est trop bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, on a déjà reçu une box tiroir et que quand on les met l'une dessus l'autre, ça fait un joli, un genre de petit meuble super sympathique. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont en renvoyer encore en forme de tiroir. Je pense que oui, parce que ça a beaucoup plu. Attends, on va avancer le chien. Hop. Où ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Beer's Bolt du mois de mars? Non, Bolt, c'est pas une box de manger, c'est une box de beauté. Elle est trop belle en plus. Elle est, alors, ce mois-ci, le thème, c'est l'arrivée du printemps. Donc, ils ont fait une box très printanière avec des petites fleurs. Enfin, c'est pas des petites fleurs. En fait, c'est des taches de toutes les couleurs. Mon Dieu, c'est des petites fleurs. Voilà, donc elle est bien en forme de tiroir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Beer's Bolt du mois de mars? Ta-da! Alors, du coup, comme je l'ai reçue aujourd'hui, j'ai pas pu tester les produits. Hein, mais je vous la présente quand même. Donc, le premier produit que j'ai pioché dans ma petite Beer's Bolt, c'est le Radiance Face Mask. Donc, c'est un masque 3 en 1, nettoie, exfolie, illumine le visage de la marque Balance Me. Donc, il faut le laisser poser 5 minutes sur votre visage, puis rincer avec un gant ou une serviette humide. Là, on en a pour 5,04 € d'échantillon, puisque le full size fait 25,20 €. Ensuite, prochain produit. Prochain produit, c'est le savon liquide. Donc, ça, je suis super contente d'avoir reçu un masque parce que j'aime bien tester les masques. J'adore ça. Et celui-là, il a l'air plutôt pas mal. Je connais pas cette marque. Donc, prochain produit, c'est un savon liquide de Marseille de la marque Compagnie de Provence. Voilà. C'est un petit. J'aime bien le petit flacon. Il y a marqué en gros savon de Marseille extra pur à la figue. Alors, je ne suis pas fan de l'odeur de la figue. Là, il marque, on adore son odeur fraîche et légère. Oui. Ça sent le savon quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est un savon liquide. Ce savon est fabriqué à façon du mythique tube de savon de Marseille. Même composition à base d'huile naturelle, même sensation de peau fraîche après le lavage. Donc, c'est un gel douche en fait, hein, je pense. Donc, il y en a pour 1,81 € d'échantillon, puisque le full size fait 10,90 €. Donc, un autre petit produit de la box, c'est une eau, l'eau bleue des anges. Alors, j'aime pas trop les eaux parce que je sais pas jamais quoi faire avec. Je sais pas quand il faut la passer, après le maquillage, avant le maquillage, pour se nettoyer, je sais pas quoi faire avec. Du coup, l'eau bleue des anges, mais c'est, elle a un joli nom cette eau. Alors, elle est formulée sans parabènes, sans alcool ni phtalates, fabriquée en France. Voilà, donc il y en a pour 2,85 € d'échantillon, puisque le full size fait 19 €. Voilà, bon, ben je verrai. Ça sent très bon, très doux, très bon. Alors ensuite, un autre produit donc que j'étais super contente de recevoir, donc c'est un crayon noir. Alors je sais pas, il y a plusieurs teintes, moi je l'ai eu noir. Je sais pas si dans toutes les boxes il est noir. C'est le Slim Eyes Pencil de la marque NYX, NYX Professionnel Makeup. Donc, il n'y a pas le prix sur le fascicule. Nino, il n'y a pas le prix sur le fascicule. J'ai pas trouvé le prix sur le e-shop puisqu'il est indisponible. Donc, je l'ai trouvé le prix en dollars. En fait, il fait 3,50 $. Donc, je me suis dit qu'il fait 4 € en fait. Là. Voilà. Donc, il est super. J'adore mon ça. Bon, les crayons noirs, je suis tout le temps contente d'en tester. Voilà. Puis celui-là, il allait super bien. Il est bien noir et tout, j'adore. Donc, très contente d'avoir reçu ça. Alors, dernier produit, ça fait déjà 5 produits en fait. Et il y avait un sixième produit. Ah non, j'ai oublié le. Ah, j'ai oublié le vernis. Alors, prochain produit, c'est le. Un petit vernis chai. Donc, c'est le Chaté Mini. Mais alors, c'est très pailleté, ça ira à ma fille. Hein, hein Luna? Pour toi. Hein. C'est pour Luna parce que alors, vraiment, c'est paillette. Hein. C'est vraiment pour le 31, quoi. C'est pas très printemps, je sais pas.
Donc il y en a pour 3,60 € de vernis, puisque c'est pas le full size. Le full size fait 13,5 ml. Et ça, ça fait 5 ml. Donc c'est pas un full size. 3,60 € le petit échantillon de vernis. Donc ensuite, nous avons. Volt, arrête-toi. Allez, monte, tu veux venir, monte. Allez. Alors, dernier produit qu'il y avait dans la box, c'est un petit échantillon de parfum. Donc ça, ça fait toujours plaisir de le recevoir. Il sent très bon. C'est le Catherine Malandrino Style de Paris CM. Donc c'est un petit échantillon de 2 ml. J'ai calculé le prix, ça faisait 3,93 € quand même. Mais il sent très bon. Moi, j'adore. Donc franchement, je suis emballée par cette box. Il y a quand même 6 produits dedans. Alors la valeur de la box, elle n'est pas élevée, mais je suis plus emballée que la février, franchement. La valeur de la box totale fait 21,23 €. Donc c'est plutôt, on rentre dans nos prix, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé cette box, surtout parce qu'elle a le tiroir, ça c'est trop bien. Et voilà, et tous les produits me plaisent. Bon, à part le vernis, mais bon, ça ne sera pas perdu. Là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà. Donc j'espère qu'ils vont nous faire encore des formes tiroirs. En forme de tiroir, parce que c'est super pour les empiler, c'est trop bien. Et franchement, je suis trop contente de cette box. Tous les produits me plaisent. J'ai pas testé, mais franchement, un masque. Il y a peut-être que l'eau que je me servirai pas. Je sais pas ce que je vais faire avec. Mais sinon, le masque, le crayon, le petit parfum. Et c'était quoi encore? Je m'en rappelle plus. Voilà, donc franchement, je me servirai de tout à part peut-être l'eau. Et la boîte, elle est trop belle. Voilà, donc super contente de cette beer box de mars. Et on vous dit au revoir et à une prochaine box. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.